Ça va, ma chérie? Voilà. Nous on s'excuse parce que le SMIC n'avait pas augmenté à cette époque. On a mis ce qu'on pouvait. Donc, le pays gaulois était limité par les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Il était plus étendu que la France actuelle et rassemblait des tribus et des peuplades d'origines variées. L'ensemble de la Gaule était divisé en trois parties. L'une était habitée par les Belges, l'autre les Aquitains, et la troisième, dans son langage, s'appelait Celte. Jésus-Christ. Voilà, mon amour. Donc, de nombreuses peuplades ont parcouru les pays de l'Ain et deux principalement se sont battus le territoire, donc les Edouens, qui se trouvent sur la rive droite de la Saône. Ils ont pour oppidum principal Bibracte, sur le mont Beuvray, près de Autun. Ils ont étendu leur empire sur la rive gauche et sur le sud de la Bresse. Et nous, les Sequanes, nous sommes un des peuples les plus puissants de l'époque. C'est Lothaire qui hérite de la Bresse et du Bugey. Puis c'est la dynastie des Capétiens avec Hugues Capet, mais aussi, pour en citer quelques-uns, Louis VI le Gros, Philippe Auguste, Saint-Louis. Après une période de trop. Oyez. Peuple de France, oyez. Moi, je suis François Ier, fils de Charles d'Orléans, dit le prince poète, et de Louise de Savoie, née à Pondin le 11 septembre 1476, et qui est décédée le 22 septembre 1531 à Gré-sur-Loing de la peste. Je suis Napoléon Bonaparte. Petit par la taille et figure incontournable de l'histoire de France. À la Convention succéda. Je suis Marie-Joseph Rose de Tachère, de la Pagerie, de Simande-sur-Suran, de la belle vallée du Suran, du comté et du Rugby. Je suis née en 1763 aux Trois-Îlets en Martinique. Je connais une enfance heureuse dans la plantation familiale avant d'être envoyée à Paris à l'âge de 16 ans. J'y épouse Alexandre de Beauharnais, avec lequel j'ai deux enfants. Alors nous, c'est les années 30, ou plus on entend dit, les années folles. C'est la fin de la guerre, et toute la jeunesse dit plus jamais ça. On a subi, on a souffert, on ne veut plus connaître ça. Donc, on va connaître les... 1952, fondation de l'association de la Grappe d'Or par Monsieur Robert Arrou. 1953, absorption par Bourque de la coopérative laitière de Césaria, dont les locaux seront vendus en 1953. Je ne connais pas l'âge de Pierre, je ne connais même pas l'âge de mon père. Je ne suis plus à l'âge de Tiffaire, mon frère. Murmurent leur présence indiscrète. Foule de papillons qui s'accrochent au présent. Feuilles silencieuses qui vivent du passé. À peine multicolores, l'automne les arrache. À peine libres dans l'air, le vent les... Malgré l'opposition de quatre ministres et du Service national des statistiques, à une aggravation qu'il faut bien dire, sensible de l'impopularité de ce régime. Cette loi du 4 septembre ne frappe de fait que les ouvriers. Elle fut surtout appliquée en zone occupée, la plus industrielle et la plus peuplée. Mon nom est Raymond Dubocard. Je pense que pour les habitants de Césaria, ce n'est pas un nom inconnu, puisque j'ai travaillé de nombreuses années à l'entreprise Bouvard. Oh, mais il n'y a rien de vraiment secret. Ah, le camembert, il a peut-être un peu chauffé.
saucisson, le pain. Et puis, je pense quelque chose qui devait être mangé, mais là, je crois qu'il va... Amis, entends-tu le voloir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers. Marmite de César ou siège de César. Mais on sait aussi qu'un grand nombre de ces lieux étaient habités et devaient leur nom aux riches propriétaires romains. Romains ayant établi... Mais c'est qui tous ces bajibouzous? C'est qui tous ces pingouins du Revermont? C'est qui ces ectoplasmes à roulettes? C'est Papou de la ligne des Carpates! C'est Topinambour invertébré! C'est Troglodyte analphabète! C'est Zolibrius anthropopec! Et le professeur, nous sommes avec cet engin allé sur la Lune. Notre 16e album, prépublié entre le 30 mars 1950 et le 30 décembre 1953, relate nos aventures. Mais. La question est plutôt vous, monsieur. Qui êtes-vous? Moi, monsieur? Mais vous n'êtes pas d'ici. Vous ne me connaissez pas, car ici, tout le monde me connaît. Je suis... Alors, Jérôme Lalande. Non, pas François Hollande. Joseph Jérôme, le François de Lalande. Quoi de français? Ah, j'ai un micro en plus. Voilà, donc... Caractère scientifique de cette fusée. Que vous allez voir décoller tout à l'heure, je demande au public de compter avec moi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous sommes devant l'ancien relais de télévision, donc nous allons vous parler de la télévision. La radiodiffusion télévision française, ou RTF, est une société nationale française chargée du service public de l'audiovisuel, créée le 9 février 1949 en remplacement de la radiodiffusion française. Alors pas du tout. Catherine Langeais, Léon Zitrone. Ma chère Catherine, bonjour. Bonjour mon cher Léon. Bien, en cette année 1960, les grands événements marquants sont, avec le général de Gaulle en France, c'est l'arrivée du nouveau franc. Puis, la première diffusion de Ratata. Youhou, Ratata! Voyons Catherine. Pour l'année 62. Inauguration du paquebot France. Michel Jazy bat le record du monde des 3000 mètres. Claude-François chante belle, belle, belle comme le jour. Première diffusion de Bonne nuit les petits. 1963, Porsche présente la 911 au salon de Francfort.
1963, mort d'Édith Piaf. Première diffusion de Thierry Lafronde, assassinat de John Kennedy. Qui sont vraiment bons, un seul nom doit vous donner un Avoriaz ouvre ses portes. Paul Naref chante « Love me, please love me, please love me. » Oh yeah! Vous vous reconnaissez? Allez, yo mama! Yo mama! Yo mama! Yo mama! Y'a bon banana! George! Georges, t'es relou avec ton café. Georges, t'es relou avec What else? Aujourd'hui c'est coco. Aujourd'hui c'est choco. Aujourd'hui c'est chocolat. Y'a bon banania. Ouverture de la première grande surface d'électroménager en France. Au JO d'hiver à Grenoble, Jean-Claude